שלום תלמידים וברוכים הבאים לשיעור נוסף עם המורה שלנו, איציק. שלום, שלום. מה נשמע, איציק? טוב, מה שלומך? הכל בסדר גמור. יפי תמיד כיף. גם לי. לראות אותך. כן. פה באולפן הזה. גם אני שמח. ואני חושב שגם התלמידים שלנו מאוד שמחים לראות אותך, כי הם יודעים שהם ילמדו הרבה איתך. אני מקווה. איציק דוליקול ג'לונג ארק נו פורסי טרויזי מלוסו. מה הכותרת של השיעור להיום? יש או אין. ובפרלי? De ces deux mots très courts, mais qui sont très importants oui, bien sûr. en hébreu pour dire ouais. il y a, il n'y a pas. Bonneille. Tu vas nous faire une petite démonstration juste après le générique, mais il faut signaler quand même qu'il y a une leçon complète dans le parcours faux débutant sur accoursd'hébreu.com. Passons à hein? y marches. Et à l'école de je crois que tu, pris tu, un... en, tu en parles en long et en large. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Grâce au livre d'ailleurs, à Cour d'Hébreu, qui a, qui a été, le, même, le même programme. Qui a été composé en commun. Itik, je te donne rendez-vous juste après le générique pour l'explication de IH et N. Lala. Ittik. Tiens. Le Ok, OK. Et après, nous aurons la petite explication que vous avez dans le PDF. Eli, bah, quitte Yesh. Sefer mm -hmm. D'accord Bah, quitte Yesh. Talmidim. D'accord Bah, quitte Yesh. Halon. Pefataï. Ça, c'est yesh. Ok bah, Maintenant, on va voir le contraire. אין. ‫אין. ‫תעשי ליה, מתנו ועבר, אין יפה. ב... בכיתה אין, אוקיי? מה אין בכיתה? אין... אין טלוויזיה, אין הרדיו, אין רדיו. ‫ספרי ארי ואוסי, בכיתה אין תלמידים. ‫ספרי אתי, יש, אבל אין תלמידים, אוקיי? בכיתה... En halon. Ah. en halon, ok mm. Donc yesh il y a, en il n'y a pas. Alors là c'est une leçon de préparation pour la suite éthique okay. qui sera yesh li, yesh lecha, yesh Ça, yesh lo, la suite. en li, Tout à fait. en lecha, en lo qui vont nous permettre de faire, de formuler sans connaître ça, vous pouvez ouais. pas après dire j'ai ou je n'ai pas. Mais ça va nous permettre justement de formuler le, le verbe avoir qui n'existe pas en hébreu. En fait, c'est ça que qu'est-ce qu qu'on apprend de cette leçon. C'est que yesh et en ce ne ce sont pas des verbes, ce sont des, des mots qui veulent dire il y a, il n'y a pas. En français, il y a, il n'y a pas, c'est une phrase déjà, c'est une phrase avec un verbe, un sujet, etc. Et en hébreu c'est juste un mot. Il n'existe pas en hébreu, puisque Dieu a dit « rien ne vous appartient ». Mais ça, ça sera dans un cours prochain, Éthique. Alors, on va regarder euh, tout de suite ce qui est écrit sur votre PDF. Donc voilà, on voit bien ici, en vert, « yes », il y a. En rouge, « n », il n'y a pas. pas. Alors qu'en français, « il y a ». Il n'y a pas son délocution à la forme impersonnelle. En hébreu, il y a un mot pour exprimer l'existence de quelque chose et un autre mot pour exprimer le vide, l'absence, le néant. En. Alors, on va lire déjà euh, les exemples avec « yesh ». Il y a un livre. « Yesh sefer » Il n'y a pas de livre. « Ein sefer » On voit bien ici, phrase nominale, il hein, n'y a même pas de verbe dans la phrase. Il y a des élèves dans la classe. « Yesh talmidim bakita » Il n'y a pas d'élèves dans la classe. « Ein talmidim bakita » Il y a un journal. yes iton. Il n'y a pas de journal. Ein, Alors, on remarque aussi qu'après euh, yesh ou en, en général, on a des mots indéfinis, hein, quand même. Hein Exactement, voilà. c'est toujours indéfini, il n'y a pas l'article. Voilà. Ça sera sur un niveau beaucoup plus élevé pour, euh, pour le reste. Mais un peu de patience. Avec, euh, oui. euh, on explique tout. Dans la Cour vraiment. On vraiment, on part de zéro jusqu'à un niveau presque universitaire. Tout à fait. Donc, euh, si vous suivez toutes les formations parce que c'est pas c'est pas une c'est plusieurs formations qui se suivent vous arrivez à un, à un niveau itique inédit hein il faut le dire il y a ouais. aucune méthode qui en, qui emmène dans un niveau aussi loin non <laughs> non non c'est vrai c'est ça ma tameritiki que nous euh na avoir la tikon la terre argile okay. miad khar al patih c'est sympa Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il faut faire Compléter les phrases par yesh ou en » en utilisant les informations présentées dans les encadrés ci-dessous. Donc, la encadrés. Yesh. Voilà, on a yesh. Iton. Kisot. Khalonot. Sfarim. Aval. Aval. Me. En. Shulchan. Mita. Televisia. Ah bon, alors maintenant, on va essayer de compléter ces phrases. Donc. Aleph. Badira. Kisot. Yesh. Aval en shulchan, Donc. En shul han. De toute façon, on ne peut pas dire. Badira yesh kisot, Aval yesh shulchan. Ça ne veut rien dire. C'est pas possible. Le aval, faites attention. C'est comme en français. Ouais, on, aval, on, on, ça veut voilà. dire qu'il y a ah, quelque chose de négatif mais, après. Mais. Bête. babait et halonot. Alors yesh. Yesh. Halonot. Ve yesh. On répète on peut dire des ensfarim? Mm. oui Avant, en mais là tu as dit qu'il y a ouais. non, mais si oui tu peux bien sûr gimmen iton iton yeshiton. et et des c'est collé bien sûr hein? okay. dalet le alors télévision eh, en télévision ‫אין טלוויזיה, אבל חלונות יש. ‫אוקיי, יש חלונות. ‫בחדר אין טלוויזיה, אבל יש חלונות. ‫כן. ‫הט? ‫במכונית ספרים, יש ספרים, ‫אבל אין... ‫אין שולחן. ‫-ו? ‫בגינה כיסאות יש. ‫יש כיסאות, אבל לא. ‫זינקסי אבל, ‫אבל הוא נגטיב. Voilà, et Mita. Et c'est que tu as dit, Abba Oui, c'est ça. Mais on. Qu'est-ce que tu as dit 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 quest Alors, on se retrouve leçon 4. D'ici là, réviser bien sûr les trois dernières leçons. Mais bien sûr, si vous voulez des leçons complètes de 30 à 40 minutes, c'est vraiment des leçons beaucoup plus détaillées, développées. Avec Tzik de l'école Dialang avec nous qui on fait tout ça à l'école Dialang <laughs> et, et on fait ça, ça. aussi à cours d'Hébreu. vous allez sur accoursd'ebreux.com et vous vous abonnez vous pouvez vous accéder donc un mois trois mois ou un an à toute notre vidéothèque Bertzlacha. Lachin todarabay tsik todarabay bye bye